Alors, nous avons passé le village de Tavannes. Nous sommes rentrés maintenant dans le village de Recanvilliers pour emprunter le chemin sur la montagne de Montaud. Cette montagne surplombe la vallée de Tavannes et moi, c'est Luc Berger. On va arriver à la fameuse place. Alors, il y a une place qui a été faite par les chômeurs. On peut descendre là en bas après et on a une vue imprenable sur la vallée de Tavannes. Chat, tu peux prendre l'appareil photo? Ouais, super. Une partie de la Suisse romande qui n'est pas très connue en fait. Dans le trois quarts en hauteur de la montagne de Montaud, près du téléski de la Golate. Et c'est un petit endroit caché, un peu secret, qui nous offre une vue sur toute la vallée de Tavannes. D'ailleurs, au loin, tu vois les moulins de Tavannes, Recanvilliers. Et là, en fait, Bellé, c'est la frontière, hein. C'est vraiment au Courberne. Et dès que tu tournes sur la gauche, tu as la joue, Jura. Juste un peu derrière, vous avez l'Auvresse. C'est un tout petit village où il y a d'ailleurs un excellent restaurant pour manger steak de cheval. Derrière, vous avez Pontenay, Malrebet-Villard, c'est... Alors, c'est le téléski de Soulmont. Un petit téléski qui doit faire, je pense, 200 mètres de long. C'est vraiment pas très long. On payait donc 2 francs pour les enfants pour toute la journée, 5 francs pour les adultes. Donc ici, c'est vraiment la frontière, le Jura bernois d'ailleurs. C'est la frontière entre Berne et le Jura. Voilà ma Suisse, ma Suisse.